propos recueillis pour nous par Aboubacar. Nous nous rendons à présent à Kaya, où une affaire de parcelle légalement attribuée fait réagir le ministre en charge de l'administration territoriale. Il s'agit d'une centaine de parcelles frauduleusement distribuées sur la trame que destinée aux propriétaires fonciers du village de Dondolé, ayant cédé leurs terres pour la construction de la cité A des Forces Vives. Le ministre d'État, Simon Paul, conduit une délégation gouvernementale pour un constat de l'état d'avancement des chantiers du 11 décembre, a eu vent de l'affaire et hausse une fois de plus le ton. Nous suivons César Carfo et Draman Dadian. Près de 20 milliards de francs CFA, ce que Tabouy a investi pour que la fête nationale soit plus belle cette année et que Kaya, ville haute des festivités du 11 décembre, fasse pour eux. Dans le village de Dondolé, certains propriétaires fonciers et exploitants agricoles ont cédé leurs terres pour la construction de la cité à des forces vives. Et en passation, quitus a été donné au conseil municipal de Kaya de dégager 200 parcelles au profit de ceux-là qui se sont investis pour la bonne cause. Cependant, contrairement aux dispositions de l'arrêté du marché, le bureau d'études a dégagé 305 parcelles, soit un dépassement de 5 parcelles. 161 parcelles ont été cédées aux propriétaires fonciers et exploitants agricoles convenus. 40 autres parcelles ont été cédées de frauduleuses parce que les bénéficiaires ont utilisé le prénom. Il n'est donc pas question de faire table rase sur cette situation renchérie du Mopaoré au moment où l'on parle transparence dans la gestion de ressources publiques. Retrait des parcelles illégalement cédées. Ensuite, prise d'une nouvelle décision du conseil municipal quant à la destination des 105 parcelles, tout en examinant bien entendu les cas sociaux. Démocratie, défis sécuritaires et progrès économique et social. C'est le thème retenu pour ce 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Et à 3 mois de l'événement, le comité d'organisation suit au jour le jour l'exécution des travaux. Non, moi, je préfère dire là, avec tout le respect, moi je ne suis pas content.